Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous présente Métromag, un nouveau magazine d'une durée de demi-heure avec des sujets qui intéressent tout le monde. Métromag est produit par Haïti Reporter, une équipe de jeunes journalistes haïtiennes. Aujourd'hui, nous aurons un programme assez chargé. Nous parlerons de la présence de la MINUSTAH, les problèmes que confronte l'Université d'État d'Haïti. Nous aborderons aussi la question concernant l'arrestation d'une Américaine qui apparemment voulait aider les déplacés. Mais on aura aussi des divertissements avec un portrait de la chanteuse Tiffane. Et peut-être la meilleure partie sera pour la fin de l'émission où nous allons vous présenter un concours d'élégance, la mode de la rue, les gens qui sont habillés même avec des pépés. Once this is over, I have lots to say. Okay, I need to see if justice is going to be just. Okay, for change. Depuis le séisme, beaucoup d'étrangers sont venus nous aider dans le cadre de la reconstruction du pays. Des promesses, on en a eu, mais elles ne sont pas toujours tenues. Et le gouvernement, de son côté, n'a vraiment pas le contrôle de ces ONG étrangères. Mais le 21 mai dernier, le commissaire du gouvernement a arrêté Liliane Miller, une Afro-Américaine qui voulait construire des centaines de maisons sur un terrain qu'elle avait acheté. Pourquoi une arrestation d'une bienfaitrice américaine? Métromag a cherché des réponses. I need to see if justice is going to be just for change. Okay. How was your treatment in jail? It was shit. Une citoyenne américaine, Liliane Miller, a l'empaqué Port-au-Prince après plus passé un mois en prison. Qui infraction a été commise? Autorité a été acquise Liliane Miller, qui organisation liant pas enregistré en Haïti et n'a pas de permis de séjour. Quelques semaines plus tard, l'accusation a changé. Elle a été acquise pour association malfaite. Ça a commencé à être une histoire une vraie héroïne. Liliane Miller était toujours voulu faire bien. Dans l'année 2008, elle mettait fondation campée. J.J. Earl Miller Foundation pour aider jeunes. Après tremblement de terre, Liliane Miller a voulu aider les Haïtiens dans la reconstruction du pays. Madame Miller a gagné un gros rêve. Elle a voulu construire plusieurs milliers de cailles sur un terrain qu'il a acheté. Un projet qui a coûté 230 millions de dollars. Nous avons un même qui a référé, madame avec nous dans le camp. Pour nous au moins font parler avec lui. Il te dit nous bien. Il n'y a pas de cob pour l'acheter pour nous. Il n'y a pas de cob pour le payer pour nous. Mais si nous entrons dans le programme par rapport avec l'inscription, ça permet que les gens ne peuvent pas faire deux mondes pour le deal. Même si nous avons nécessité, nous avons une capacité pour acheter et pour commencer la construction qui va permettre à la population de sortir dans la situation. Liliane Miller était bien connectée. Il était partenaire avec une entreprise. Que président Martelly et président Clinton tébaillent en pile attention. De l'habitat haïtien mérite notre admiration pour l'effort qu'elle symbolise. Dans un paquet a été dit Métromag que le commissaire gouvernement Théoé Agdégil que Liliane Miller a demandé de déplacer l'argent pour le cas enregistré au Koukaï. Madame n'a pas demandé pièces moun, ni 5 cob, ni 10 cob. Son seul dépense moun le cas dit au fait. Yo fait une photocopie que yo fait pour un goût. Aussi, nous faisons pour deux gouttes. Quatre identifications nationales, sinon n'importe quatre que vous possédez. Avocat Miller, grand défenseur de l'homme,
Maître Mario Joseph estime que le commissaire gouvernement a des raisons politiques qui font arrêter Liliane Miller. Elle me dit politique, non, parce que quelqu'un a raison. Parce que lorsque vous arrêtez, ce n'est pas parce que vous avez raison de droit pour arrêter. Et ce n'est pas là où commencer à dire telle accusation. Et puis là, il ne pas se rejoindre. Quand même, vous avez raison. Parce que faut qu'il y ait parce que moi-même, je m'habitue à ça. Moi-même, c'est le cas de Mme Liliane. Je ne connais pas si c'est le politique, c'est des gens politiques qui ont fait. Bon, étant donné, et moi, je connais, et dans la question de en Haïti, il y a un pile menti, soit le gouvernement baille. Et en pile de violations de la monde qui n'ont pas été faites. Ça veut dire peut-être Mme Liliane qu'on approche. Peut-être Mme Liliane critique aux États-Unis dans l'email qu'elle a fait approche qui gagne dans la question de la monde sur la question de KLA. Donc, il a fait des ennemis. Et ennemis sont capables de gagner des gros politiciens ou bien aussi politiciens tout. Mais trop mal que tu demandes à Zamil et partenaire Gary Stemfield si Mme Miller a une connexion avec l'opposition politique là. Directement. Je ne peux pas répondre aux questions. Et pas que je ne peux pas répondre parce que je connais, mais je préfère poser Liliane par question. Pour qui le commissaire gouvernement a arrêté Liliane Miller? Est-ce qu'on peut faire une interview avec vous? Non, c'est pas ainsi que ça se fait. C'est au sujet de Mme Miller. Non, c'est pas ainsi que ça se fait, monsieur. Pour Madame... Est-ce que je peux vous demander? Non, pour Mme Miller, Miller, c'est pas de mon ressort. Okay. C'est du ressort du juge d'instruction. Mais okay. Vous avez fait l'arrestation de madame. Le parquet. Le parquet, mais... Le parquet a arrêté madame et le dossier a déféré par devant le cabinet d'instruction. Quels ont été les motifs de cette arrestation, monsieur le commissaire? Voyez le juge d'instruction. Ok. Et moi, je ne suis plus habilité, selon la loi, à parler sur ce dossier. 27 juin, finalement, il paraît dans le parquet. Après, il finit de passer, plus passer, un mois en prison. Okay, we're not feeling you leave the court. They did not have a translator, so yet again, they procrastinate having my trial. All U.S. people, Monsieur. Please call President Obama and all your Congress people to get me out of this hell. This was a setup, and they continue doing their wrong. Okay. What do you hope? This is not in Haiti. All Haitians that have a heart and are honest should also be doing something. This place is a bunch of corruption. Haitians need to save Haiti. Avocat convaincu qu'il est innocent et l'a libéré. Histoire nous a continué semaine prochaine. À présent, passons à la chanteuse Tiffane. Tout le monde la connaît comme une grande vedette. Tout le monde l'aime. Mais comment devenir une grande vedette comme Tiffane? Vous savez, pour être une vedette, il faut travailler beaucoup et il faut être modeste, tout comme Tiffane. Ok, on y va. Soundcheck. Moi, j'ai même niveau énergie pour même musique là, mais étranger au plus. Oui. Haïtien oui. Comme ça et puis on a vu caméra et puis yo coincé ou bien yo. Oui. Il va. Bonsoir messieurs, bonsoir madame. Maman me relait Gertrude, c'est jour. Papa me relait André, c'est jour. Junior. Moi fait 18 janvier 1980, moi fait asile français. Et moi fait une en nuit, 8h du soir. Ensuite, avant que moi vienne en philo, moi réussi baccalauréat. Belle note toute pareil, fait test TOEFL moi et puis ma université Illinois, l'Iri de North Central College. Donc c'est là moi apprendre métier moi vivre Illinois pendant 5 ans et demi. On va dans le jardin des orchidées. Moi, j'aime jouer avec Maya en pile. Moi, j'aime Bitova en pile. Et mon jeune, oubliez, faut me dire ça tout. Mon jeune artiste préféré, c'est Jean-Bernard Thomas. Moi, j'aime voir Queen Bee.
parce que je pensais que deux monde ça vient voir oui c'est nous qui la mode m'a pas si loin ça. Bonsoir Sax. Bonsoir. Comment ça Richard? Saxophone. Oui, bassiste méchant. Petit fan bon, bon énergie sur scène. Et puis, je pense que c'est une voix féminine qui domine la scène haïtienne pour le moment. Ce que je préfère, que je vais jouer, c'est tennis avec volleyball. Mais activité sportive que je viens de développer en passion pour lui, c'est boxe. Je viens vous annoncer, je viens de recevoir un texte. Mon mari est premier et puis il est troisième dans la compétition de grappling et jiu-jitsu. Je suis très fière de mon épouse. Je l'aime en pile. Ils sont des gens extraordinaires. Et tout le monde dans l'environnement, c'est comme si c'est la gaieté liée, côté liée. Vous comprenez? Ils sont très sérieux, là, sous travail, très sous travail. Mais pas comme les gens dans l'entourage qui parlent. Discographie est longue dans le sens que, à part de ça, moins produit, moins participé dans pile l'autre projet. Tout le monde connaît Print, album moins. Il y a tous les 10 musiques, c'est musique que moi composé. Il y a La Rebelle, pour le film La Rebelle, moi chanté là-dedans avec BRC. Ça, c'est discographie toujours. Il y a Garde Devant avec Bito Vaoba, moi participé là-dedans. Ça qui passé Haïti avec artiste Haïti Musique là-dedans. Et musique Grenadier à l'Asso pour l'équipe football nous, avec Bookman. C'est moi qui ai écrit parole avec Lolo dans le studio. Je chante là-dedans tout. I don't want to go through an ugly duckling phase. I want to look beautiful with my stuff. Be like. Nous avons l'autre petit fan qui avec un vocal enragé, qui a une originalité, qui vient avec de nouveautés dans le vocal li, et puis dans la musique tout. Donc alors. Ils font une belle expérience avec Tiffany. Et puis, son monde tout qui est facile pour travailler avec lui. Tiffany, c'est un gentil. Son monde, là, où m'a penché, c'est Tiffany qui dit Chéa, qu'est-ce que c'est? Chéa, pas découragé. Chéa, n'a pas réalisé par eux quand même. Mais son monde, à part de artistes, là, en personne, Tiffany, son monde qui gagne, ça, son bel monde. Là, on regarde les textes Tiffany, là, on regarde les musiques, là, quand elle entraîne le monde. Okay? Mais en même temps, il y a un message que la porte. Il y a un message important que la porte pour la société. Moi, c'est un monde qui est dévoué à changement pays. Mais je n'ai jamais senti que la politique, ce n'est pas là pour me passer. Puis, mon rêve, moi, vraiment, c'est juste pour moi, côté que je voyage, je vais côté mon chita. Moi, j'ai aimé que moi, j'ai moyen, que bon, j'ai pas moyen. Pour moi, ouvrir un atelier, quelque une agence côté que m'ka formé. Si c'est danser, ouvrir danser, une salle de danse là. Si c'est chanter, ouvrir chanter, nous avons trois monde qui travaillent avec une classe de monde qui vient chanter. Pas seulement pour musique, pour moi, chanter, prendre le son chant normalement. Comme annoncé, nous allons vous parler de la présence de la MINUSTAH. Depuis 1993, les Nations Unies ont fait 6 missions dans notre pays. La MINUSTAH est celle qui a le plus duré. Plus d'un estime que la présence de la MINUSTAH a infligé beaucoup de peine. Il faut référence à l'épidémie de choléra et à d'autres violations. Mais combien sont-ils à vouloir que la MINUSTAH laisse le pays le plus vite possible? Pour la réponse à cette question, je vous propose de suivre ce documentaire réalisé par Metromag. MINUSTAH, sixième mission Nations Unies depuis 1993. C'est le plus grand troupe pays à connaître, avec plus de 10 000 soldats. Ils patrouillent chaque jour dans la Cité Soleil. C'est une routine paisible.
Habitants ou pas jamais reproché au des malais ministères te porter dans pays a. Ti moun yo remé jouer avec militaire. Mais en enquête quelques étudiants dans faculté d'ethnologie te fait montrer majorité dans population pas senti en sécurité avec soldats étrangers. Plusieurs militaires dans ministère déjà acquisés pour abus. Violation droit moun ak ka déjà sous jeune. Mais aucun scandale pas de faire ministre plus mal. Passer accusation, c'est eux qui viennent à choléra dans le pays. Nous demandons aux Nations Unies pour dédommager le peuple haïtien pour choléra, car déjà, le ministre fait sous jeune garçon et jeune fille. Abba, ministre, choléra cadet Jacques. 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 Ministre d'un pays à insécurité. Valé d'un pirate et puis en plus encore et voler la guerre et puis même ministre a tout entré dans la corruption tout. Il a fait violence sur filles, il a fait violence sur garçons, ça n'a pas de fait. Donc là, que m'a regardé ça qui a passé dans le pays, bon, moi que le ministre a même fait démission. Le ministre a encouragé plus d'insécurité dans le pays parce que à chaque fois que nous avons remarqué ça, le ministre est arrivé dans le fait mandat pour aller, c'est le ça a payé à venir. Tombé dans l'insécurité plus, ou l'insécurité a bien augmenté. Nous-mêmes, dans Ajmid, nous disons comme ça, ministre n'a pas qu'à aller comme ça. Si pour ministre aller, au moins, il faut nous taguer ça aurait là, mais. Le ministre n'a pas gagné place, sinon il y a même encore là. Il n'y a pas de place. Parce que nous sommes entrés dans le pays, nous avons Dieu de venir aider nous. Parce que aider nous, c'est craser, nous venons craser le pays à plus. Pour moi-même, en tant que haïtienne, ça que je suis capable de plus remer, c'est que tout comme ça, aussi ministre a allé, tout comme ça, il a rentré. Non, mais il y a capable de plus mettre, plus comme si encadrer la police nationale, qui est la police par nous, qui est qui là pour nos services. Si on capable plus encadrer yo, plus gérer yo, juste pour service sont capable plus améliorer, on peut être plus bon toujours pour nous être capable de tirer ministère dans le pays. Trois cas répondants à l'enquête l'a estimé. Nations Unies doit dédommager victimes choléra yo. Mais malgré yo en colère, ça pas veut dire tout le monde pense ministère doit plier paquet li. Metro Mag te fait propre enquête li. Bon, ministère du pays, parce que c'est lié de nous. Il y a des gens qui sont populaires. Côté la police, pas aller, le ministère aller. Même si il a allé, il y a pression, mais quand même, présence est là. Il y a des gens qui sont blancs. Si le ministère n'est pas là, il y a un coup d'État quand même. Mais le ministère n'a pas empêché le coup d'État. Le ministère place, il a fait le coup d'État. Si on tape la sécurité, chaque jour, ce n'est pas le monde qui tape tombé en bas de la France. Ce n'est pas seulement le coup d'État qui a été assuré. En plus, monde qui a parlé, tout le monde qui a blanc fait. Je n'ai pas une chance pour me travailler dans le ministère, même à la recherche. Quand je parle à la là, je vais déposer dans le ministère. C'est même le monde qui l'a d'ailleurs, tout le monde qui a dans le ministère. Parce que si le ministère a c'est plus de problèmes. Là, tout le monde qui a revenu chita, vu une sacrée chita déjà. Alors, le gouvernement a bien travaillé pour tout le monde. Si vous êtes dans le ministère, vous avez 10%. Votre travail, il n'y a pas de problème pour là, non? Vous avez travaillé, vous travaillez. Mais, solde saline, pas de game blanc sous lui. C'est pour nous lier, pas un intérêt pauvre. Ou est-ce que des salines mourir, pour nous faire des salines crier. Bah, tu peux dire que ce pas bon, non? Mais tu es des salines, non, respecte-le. Pas bon, non? C'est pour une vie pauvre, moi-même. Pour faire des salines crier. Je dis, nous sommes pays indépendants. Pour indépendants, on force étrangère pas capable à l'école sous territoire comme ça. Mais par contre, pour nous prendre responsabilité nous tous en tant que haïtiens. Pour nous connaître, ce n'est pas les des ordres, pour nous faire un coup de fil pour nous relayer en étranger, pour nous dire ah, mes pays en crise, viens nous coup de main.
destin haïtien non mais le destin haïtien pas dans ministre pas dans la France il pas dans américain pas dans Venezuela il pas dans Équateur il pas dans c'est haïtien pour qui ressaisir pour haïtien ressaisir en lui-même pour pas rester dans yin hang pour haïtien apprendre pardonner pour l'apprendre remet. Partout dans les grandes villes du monde, notamment Paris, Singapour, Rio de Janeiro et ici à Port-au-Prince, on voit la mode de la rue. Des gens qui sont bien habillés et qui ont leur propre style. Même avec les pépés, on peut être à la mode. Sans vouloir se vanter, des jeunes hommes et filles interrogés par Metromag se considèrent comme des œuvres d'art. Ils aiment le fashion et dans le monde, on les appelle les fashionistas. Nous allons organiser un concours d'élégance pour ces jeunes, donc écrivez-nous. Sa classe est voyeur voyeur pour moi. Juste monter où elle dans un livre et puis demander comment de la route de transférer. Ok. Ça me mieux même parce que je suis forme haïtienne qui est toujours frais. Montez juste où elle. Côté en machine de pépé et puis moi descends machine là moi-même et puis m'acheter. Parfois, on achète tout neuf, les couteaux moins scope que l'on achète pépé. La pépé au bien pipe, yo en de bons états et puis yo dure plus. À tout ce moment, mais quand ça arrive, m'habille très bien tous, m'habille comme ça. Tout ce monde, tout ce monde, c'est moi qui acheté. C'est moi-même qui toujours, elle a contre moi, toujours en train de faire. Toi, c'est avec moi. Je choisis que pour mettre un rad normal sur mon rad cossé, je suis en train de faire des côtés malavelles, avec des gens qui ne peuvent pas être mon vie. Pour être plus facile qui vient, je suis artiste dans le groupe. Mais le métier va être fermé dans le pied. Moi, mais je m'habille. Je suis en marché de Petionville, mon magasin de Haïtel là, tout maillot. Je vais mettre le pantalon, maillot, juste pour ma lèvre, pour faire chaleur. Je vais acheter un nouveau voyou pour moi. Je vais supposer habiller à la haïtienne, mais dommage. Je suis obligé de ne pas habiller tant que je suis en disons, en impunité. Donc, pour moi, je pense que je n'ai pas un homme qui est de trop à la production nationale. Bon, moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui parlent à la mode. Si on stylise ici à faire rad pour alors pour culture, nous, Carabella, Beltisiam, tout ça, je n'ai pas obligé de faire le cher. Je n'ai pas pour riche en journée. Chers téléspectateurs, Metromag touche à sa fin. J'espère que ce nouveau magazine vous a plu. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.